Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un spécial Halloween qui va commencer en novembre parce que. Donc, pour ce spécial Halloween, j'ai ressorti un jeu parce qu'il a bien évolué. Il y a le crossplay avec apparemment plusieurs plateformes, PS4, PC, machin. Aux nouvelles que j'ai eues, j'ai pas pu le tester encore, donc je peux pas vous le confirmer. Il y a apparemment, il y a du multi, il y a du free-end, il y a machin, il y a plein de trucs. On peut jouer en tant que survivant ou en tant que killer. J'avais fait quelques tests il y a très longtemps sur le jeu, je crois qu'il y en a même sur la chaîne. Le but de ce jeu, c'est, si on joue en survivant, c'est d'activer de mémoire quelques balises qui vont permettre de sortir d'une zone. Car je crois que dans le scénario, il y a des espèces de tueurs en série qui nous ont capturés et qui veulent nous buter. Ils nous lâchent donc et on doit se barrer. Survivant, le tueur. Il y a, aux nouvelles que j'ai eues, beaucoup, beaucoup trop de tueurs. Voilà, ça c'est que la base. Moi j'ai la base. Donc j'ai mon Vrace, niveau 12. Et qui c'est tout ça? Il y a quoi? Il y a le pig, il y en a plein. Ouais, il y a beaucoup trop. Après, donc là on a. Ok. Quoi? Start with 3 personal pace. Perks, pardon, ok. Mon anglais est rouillé, il est 3h du mat, je sais plus parler anglais à cette heure-ci. You have to adapt the light, your animal blindness, flashlight, ok, donc là on est contre la lumière, d'accord. Resilient to pain, je sais plus ce que veut dire pain, mais c'est pas grave, on va faire avec, ok. Repair à 70%, it triggers runners. Oh, ça m'intéresse. D'accord, donc oui, donc là on peut. Ah oui, putain, c'est vrai. Donc là, on peut rajouter des perks à nos personnages avec 3 perks, machin. Donc on a l'apparence du tueur, qui est voilà, un bon tueur bien glauque. Donc ça, c'est le commun. Et ça, c'est le. Voilà, parfait. Ici, on a que du classique. Et là, on a du. Oh. Du gros marteau, du gros gros marteau, du gros gros marteau. Dans les charmes. Je prends. Ben j'ai un sapin de Noël, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais c'est pas grave. Donc, loadout, on a. Putain, je sais vraiment pas jouer, donc je vais juste m'équiper et on partira sur le tuto parce que je sais plus du tout jouer. Attendez, déjà je vais essayer de régler un truc. Déjà, je vais essayer d'appliquer un détail. Ça m'ira, honnêtement, ça m'ira mieux. Attends, hop. Pouf pouf! Je ne quitte rien, je ne fais rien. Vous verrez tout en direct live parce que voilà quoi. Tac tac tac, pouf pouf, on recommence. J'espère que ça me l'a changé. Donc on est sur Hour of the Witch. Je vais essayer de publier ça pour le 1er novembre, si j'y arrive. Je pense que cet épisode paraîtra pile le 1er novembre. Et je vais essayer de vous faire comme ça. Bon, ce ne sera pas vraiment des spéciales Halloween, mais ce sera l'horreur du mois de novembre. Je vais essayer de vous en faire quelques-uns avec des events d'Halloween qui ont eu lieu sur Tezo et d'autres jeux. Je crois que ça dure sur Tezo jusqu'au 5 novembre. Bon, en résumé, c'est le même event chaque année. Bref. Sauf que là, je me suis planté, je me suis paumé copieusement dans le jeu, je ne savais plus jouer là non plus. C'est-à-dire qu'à force de faire du Far Cry, du Division, du Destiny et autres, il y a des jeux qui passent copieusement à la trappe au niveau gameplay, donc ça devient compliqué d'y revenir dessus. J'essayerai de vous faire, si j'arrive à le relancer, du Destiny. J'ai bien envie de vous en faire un petit peu. Parce qu'il y a aussi un spécial Halloween. Si je peux le démarrer sans qu'il me fasse une mise à jour de 12 000 gigas, il y aura peut-être du Sea of Thieves dans les spéciales Halloween. Mais honnêtement, ça m'étonnerait. Sea of Thieves est un super jeu, j'en ai fait beaucoup sur la chaîne, c'est même une, je crois que c'est même ma vidéo la plus vue. Mais Sea of Thieves a un gros, gros, gros problème. On peut pas tourner dessus. C'est, pour moi, je le trouve intournable. En live ou autre, ça peut être super sympa, moi malheureusement, ma com ne me permet pas. Quand on voit qu'une mise à jour de 100 mégas, ça me prend 45 minutes. Dans l'idée, c'est pas terrible. Je peux pas live, mais du tout. Et donc, là, je suis obligé de le faire en vidéo. Et dans les vidéos, soit je fais 25 000 petits morceaux de 3 minutes.
que je suis obligé de cut à la main. Attendez, excusez-moi. Pouf, 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 pouf. Il se passe des trucs bizarres sur mon écran. D'accord. Ok. Je sais pas ce qui se passe. Ça vient d'arriver. Ah bah ça me prend ma petite intro ça, tiens. Ah c'est cool. J'ai du rigolo. Donc en fait c'est intournable parce qu'il y a des moments où il va se passer des trucs. Pendant un quart d'heure il va se passer plein de trucs. Puis après, pendant 3 heures, le calme plat, rien. Quand vous êtes sur une île, il se passe des choses. Et si je tourne à peu près à la même heure qu'actuellement, c'est-à-dire 3 heures du mat, clairement il y aura personne. Donc les voyages vont être interminables d'une île à une autre. Et comme en plus à chaque fois, à cause des mecs qui se plaignaient du respawn trop proche de la zone de mort, on respawn à l'autre bout du pays, on doit se retaper toute la zone qui prend des plombes. Surtout qu'avec ma chance, j'ai jamais le vent avec moi, donc Sea of Thieves est pour moi intournable maintenant. Et ça, honnêtement, le jeu est super. J'ai envie d'y retourner régulièrement, mais tourner du Sea of Thieves me gonfle. Pour de vrai, tourner du Sea of Thieves me gonfle. J'ai pas d'autres mots. Ah bah tiens, ça y est, c'est passé en anglais, je m'en doutais un petit peu. Donc graphisme, on va le mettre en up. Tac tac tac, pouf pouf. Merci. Le Windows qui marche bien. Ensuite, tac tac tac. Putain, saloperie. Ok, donc OBS, vous voyez. Mon Uplay, je vérifie qu'il n'y ait pas de renseignements privatifs qui apparaissent. Ok, parfait. Vous voyez, la galère aussi, en fait, de faire des vidéos, c'est ça, en permanence. C'est qu'il faut tout régler en permanence. C'est chiant, ça prend des plombes. Mais c'est à montrer, parce que c'est le quotidien des gros youtubeurs. Vous voyez, les gros youtubeurs qui vous font des vidéos avec plein de coupures, plein de machins. Eh ben, ils font exactement ce que j'ai fait là. Des réglages, des cafouillages. Ça prend des plombes, c'est chiant. Il faut vous le montrer aussi. Et merde. Bon, ben, on va survivre. Bon, bah, y a pas le choix. Ah putain, j'ai perdu toute ma save. Non, j'ai pas perdu ma save puisque j'ai mes persos niveau 12. Alors pourquoi j'ai pas débloqué quel tuto? Ah, le jeu a dû vraiment changer pour que je perde le tuto. Oh putain. Si j'ai perdu le tuto, c'est qu'il y a un truc. Aïe aïe aïe. Ouïouïoui, ça va faire mal. Est un jeu asymétrique qui se joue lors de parties intégrant jusqu'à 4 survivants et en tueur. Ça, je sais. Bonjour, Meg. Je suis Revanzmil. Vous devez vous cacher du tueur tout en repérant les générateurs pour activer les portes de sortie. Ok. Ah, QWERTY. Déjà, ça commence mal. Quand vous courez, vous laissez des marques d'éraflure sur le sol que le tueur peut suivre. Je suis en ultra. Hop là. Vous pouvez sauter plus vite en courant, mais cela peut également avertir le tueur sur votre position. Attendez, je suis bien en ultra, on est d'accord. Je suis en ultra, je suis au maximum. Grande je m'en fous. Mode. Ah ouais, je suis juste en ultra. Ok, je peux pas faire plus. Ok, excusez-moi, my bad. Ah oui, effectivement. Hop là, hop, 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 ça fait du sport. Toucher les boutons de test d'habilité quand le pointeur passe au-dessus de la zone de succès. Ouh putain, du QTE, super. Je ne vois rien. Je sais pas trop ce que je fais, mais je le fais apparemment. Je l'ai pas vu. D'accord, faut vraiment avoir les yeux rivés dessus. Merci le jeu de me l'apprendre, heureusement il n'y a pas de tueur, en tout cas j'espère. Sinon je suis mort. Ah merde. Va falloir que je m'entraîne. J'étais trop rapide. Enfin, c'est nerveux les QTE dans ce jeu. Allez. Oh putain, oh, j'étais dessus. C'est trop rapide leur truc. Saloperie. Ah mais moi les générateurs je les fais pas. Je joue un tueur, c'est mort. Je vais jamais y arriver. Putain, je l'ai pas 8 ans. Il tente un jeu d'horreur. Il bloque sur le tutoriel. Parce qu'il n'a aucun réflexe. Bienvenue sur Dead by Daylight. Enfin, eh ben putain. Non mais moi c'est mort, le tuto c'est mort.
Et merde, dans un piège du piégeur. Allez. Oh merde. Un bot. Ouais, merci. Ouais, je sais. Bah oui. Quand le tueur vous transporte, vous pouvez essayer de vous débattre pour vous libérer en appuyant sur le navigateur déjà quand je dis ok. Je maintiens appuyé volontairement. L'autre survivante est là. Faites tomber des palettes pour ralentir le tueur quand il vous poursuit. Faites tomber une palette sur le tueur, elle est tombée. Ah mais merci. Merci madame. Je suis blessé, je suis mourant. Non mais... Ah mais il est renégat, c'est un... Merde, bon, bah, va falloir aller l'aider. Eh bien. J'espère qu'il va venir par là. Ok. Vous devez décrocher le survivant. Et ça c'est la partie dégueulasse du jeu, c'est la partie ultra vislarde. Puisqu'il accroche les survivants, voilà, et il est force. Les forces du mal viennent les capturer. Bonjour madame. Tenez. Oh, on est tous les deux mal foutus. Vas-y, cache-toi. Ah mais tu laisses des traces de sang, choupette. Oui, oui. Hop là. Je suis caché. C'était caché. Je t'ai caché. Coucou. Coucou. Et merde. Ah bah là, je suis trop près là. Bon ben. Aïe. S'échapper des crochets. Vous pouvez tenter de vous échapper d'un crochet par vous-même. Vos chances de réussite sont très faibles. Les tentatives qui échouent vous rapprochent de votre sacrifice. En dehors du tuto, vous ne devriez tenter de vous échapper qu'au crochet. Ouais, ouais. Allez, allez, allez. Merci. Vous faites plus de bruit et vous laissez une traînée de sang derrière vous, les autres survivants peuvent vous soigner et réciproquement. Vas-y, je te masse, ça te fera du bien. Putain, ça prend 8 ans. Ce tuto de l'enfer, mais tout va bien. Et techniquement, c'est presque une découverte du jeu parce que les mécaniques, je me rappelle d'aucune. Je sais pas de quand date mon dernier épisode de Dead by Daylight, mais ce jeu est super fun. Si vous cherchez un bon jeu d'horreur, stressant et qui se joue en coop, si vous avez un petit groupe de 4 ou 5 personnes, allez-y, c'est fun comme jeu. En tant que survivant, le travail d'équipe est crucial pour sortir victorieux, collaborer avec les autres permet d'accélérer les réparations du générateur. T'es prêt? On va appeler le tueur, il ou le générateur? Allez, j'arrive, choupette. Réparons. Et donc là, c'est soit moi, soit elle qui va récupérer... Et merde. C'est exactement ce que je disais. Donc moi, je suis nul pour les QTE, donc... je vais prendre... le mode tueur que je préfère. Oui, je l'avoue. Avec Tezo, avec Far Cry 6, avec ce type de jeu... J'ai peut-être légèrement viré psychopathe. Donc c'est cool, ça stresse de faire ça, c'est flippant. Bon, comme apparemment le régime minceur de notre personnage principal qui est un peu extrême, puisqu'il a littéralement que les habits sur les os. Donc là je vais m'en prendre une, c'est ça? Oh, je prends... Je peux prendre la trappe? Ah bah ouais, j'y vais. Le dernier survivant d'une partie peut chez un patamane, c'est un gagnéros comme ça. J'y vais. Hop là. Ouf. Je suis barré par la trappe, tiens, chais. Allez, maintenant on va tuer des trucs.
La partie psychopathe du truc, c'est mieux, plus fun. Parfait. J'ai plein de points de sang, je sais pas à quoi ça sert. Je me suis connecté, j'en ai récupéré 666 666, c'est peut-être Halloween. Putain, c'est vrai, c'est quoi des 666, je viens de tiquer. En tant que tueur, vous devez traquer, sacrifier le survivant. Ce tuto. Ah oui, parce que oui, en fait, on appartient à une entité et il faut qu'on tue des gens pour cette entité. Vous pourrez voir l'aura de tous les générateurs de la carte. Un générateur. Oui. Il a raté. J'arrive. Il est où? Cogno. Vous pouvez endommager les générateurs. Ok. Tiens, j'ai. Hein, ok, mais ça je les ai pas encore vus, honnêtement. Oh, putain, mais à suivre, c'est infâme. Ok, ça se va. Bonjour. En tenterons de s'échapper en sautant par-dessus les obstacles. On peut également passer par les points, mais plus lentement que les survivants. Voilà, vous avez la démarche du tueur. Vous déplacez le piège à ours pour un chaque tueur a sa propre habileté. Ok. Bah, d'accord. Ah, pardon. Mes excuses. You shall not pass. Bah, oui, ça je sais. Je te vois. Oui, ça je sais. Merci, j'ai fait l'autre tuto. Là, on stratège. Bon. Une victime. Je ramasse. Faut ramasser les ordures. Enfin, je sais pas si c'est une ordure. Mais faut ramasser, faut ranger. Donc, quand vous avez quelque chose qui traîne dans une pièce, vous ramassez le dit objet et vous l'accrochez. Oui, bon, sauf que quand on est psychopathe, c'est pas un objet qu'on accroche, c'est un survivant. Et donc là, en fait, voilà. Et là, c'est exactement là, ce qui se passe quand il y a trop de tentatives échouées. L'entité se nourrit du survivant en récupérant, en éliminant le corps et en se... Voilà, en récupérant l'âme. Littéralement, c'est un bon jeu d'Halloween. J'espère que le son est bon. Vraiment, j'ai réglé pour Far Cry. Et on va... chercher Jake Park. Il a un bon nom de victime de film of the world. On peut la fermer? Oh, trop bien! Ok. Ah, la victime du film d'horreur. Tiens, chais. Je te vois. Il est où? Il est où ce con? Ah, pardon. Excusez-moi, je t'avais pas vu. Bon, excuse-moi Maurice, je t'aimais bien, t'étais un bon survivant. Mais comme on est dans le tuto, je t'accroche. Tiens, t'as rangé. T'es bien rangé d'ailleurs. Bon, tu fais un peu trop de bruit. Et là, il s'échappe. Non, il s'échappe pas. Je croyais qu'il allait s'échapper juste pour montrer l'exemple. Mignon, tant pis. Tant pis pour lui. Donc si dans un groupe vous avez un petit instinct psychopathe qui ressort dû peut-être à certains jeux ou autres, jouez le tueur. Ah, je suis un très bon tueur. Oui, mon instinct psychopathe se réveille des fois et ça m'aide à le calmer, on va dire. Félicitations, ouais, je suis un tueur. Ouais. Donc là maintenant je vais essayer contre des bottes. Juste pour me remettre dans le bain, je fais des bottes. Et juste avant, je pense que je peux. Ouais. Ok, voilà. Donc ça va, le son n'est pas trop fort, il me reste 320 gigas. 2 points. Donc on va gagner les enfin, 2 gigaoctets sur le disque dur. Donc point. Donc je vais prendre mon tueur. J'espère que c'est le bon. On va leur foutre des coups de marteau. Si vous perdez un survivant, écoutez attentivement. S'il est blessé, vous pourrez les pister en écoutant ses gémissements de douleur. Des fois, les bots sur les jeux, j'en connais beaucoup qui critiquent les parties avec les bots. Mais j'ai testé certains jeux où les bots sont plus vénères que les joueurs. Death. Le jeu du requin. Ah putain, ce jeu, mais d'une violence. Quand on monte le niveau des pinches, putain, c'est hyper violent.
Et là, j'écoute. Oups. Ah ben parfait, merci les gens. Vu. Je l'ai vu du coin de l'œil. Mais le pire, c'est que je suis capable d'être assez nul pour les louper. Ouh, je te vois. Il va pas me faire tourner en rond, si. Putain. Cogno. Putain, mon film. Là, je peux bien suivre les tratras qui m'a laissé le gentil PNJ. Ah merde. Putain, j'ai pas assez d'allonge. Touché. Je m'en fous des autres. J'ai lui. Je le suis, je le chasse, je le traque. Merde, ils ont un générateur, les cons. Il est où? Attends, j'ai pas suivi. Il est parti par là, mais je crois qu'il est parti beaucoup trop loin. Merde, j'ai perdu. J'ai perdu. Ils ont deux générateurs et j'en ai tué aucun. Je suis nul. Ah, j'ai tout perdu. Dans ce jeu, j'ai vraiment perdu, hein, sans rien. Là, il y a du pinge. Là, il y a du pinge. Tiens, voilà. Ils sont bons, les pinges. Ils sont bons, ils sont bons. Ils sont par où, par où, par où, par où? Les dunes. Les dunes. Parfait. Bonjour, madame. Et je mettrai un piège, mais juste en dessous. Non, madame, arrêtez de vous débattre. Vous êtes gênante. Excusez-moi, mais je vous accroche. Allez, accroche. C'est juste pour être sûr. Merci. Et donc là, je sais pas si les pinches vont utiliser la coop. J'entends pas de générateur. Pour être sûr. Je vais volontairement me déplacer. Ouh, je te vois. Je te traque. Putain de pinge. Bon, tu m'énerves. Ton truc m'énerve. Je reviens en arrière parce que c'est peut-être une diversion. Bon, c'est pas une diversion. Donc là, je lui en ai collé une, donc ça, ça va. C'est bon, y'a personne. Parfait. Putain, je vais me faire avoir par des pinches sans rire. Faut que je regarde plus les traces au sol et les détails. Survivant trouvé.
Bonjour. Je me doutais qu'il était un peu là-dedans, je sais pas pourquoi. Ah, j'ai bien sur l'épaule. Excusez-moi, monsieur. Je cherche un rangement. Il y a un rangement pas loin, attendez, ne vous débattez pas. Faut vous ranger un petit peu parce que vous êtes pas bien rangé. Je sais pas, c'est une intuition. Tiens, rangez. Juste pour être sûr. Merci Maurice. Bonne chance. Là on cherche. Je me recule assez pour bien voir. J'écoute les bruits. En fait, en n'étant pas en visuel à l'arrière, le survivant ne peut pas théoriquement annoncer aux autres où est le tueur. Si je suis suffisamment loin, les battements de cœur ne sont pas accélérés. Le piège, par contre, est montré. Vu. Le blessé est à droite. La diversion. Non. Me dis pas que. On va pas le décrocher. Non, ça va. Putain, ils m'ont fait peur. Voilà, je te vois. J'imagine que tu vas partir sur la droite. Ces tueurs, qu'est-ce qu'ils sont lents. Merci. Je les entends, mais je les vois pas, c'est terrible. Il est plus accroché? Oh, sérieux, elle a décroché, je l'ai pas vu. J'ai plus la technique hein, dans ce jeu, mais plus du tout. Je crois que j'étais largement repéré. C'est le feu. Putain, je deviens parano, c'est horrible. Heureusement que je commence avec des bottes. Hein. Putain, le massacre. Le massacre total, zé absolu. Non mais y a personne, y a pas de générateur, y a rien Maurice. Arrête d'être débile. Vu, mais je suis beaucoup trop loin. Fais chier. Mais j'imagine. Où est-ce qu'ils sont? Il y a des maps que je gérais pas déjà avant, mais là c'est encore pire. Il n'y a que 3 générateurs. Lui a été soigné. Je t'ai vu, je te vois, je te lâche plus. J'arrive. On l'avait passé au travers. Je l'ai perdu. Ils sont bons ces pinges. Putain, ils sont bons. Moi, je suis nul. Hein. Mais les pinges sont bons. On est d'accord que je suis en train de tourner en rond comme un con là.
Je suis tombé dessus, mais par hasard. Ah bah oui, bien sûr. Non, mais c'était sûr que j'allais me faire avoir. Comme un con. Et comme en plus, je sais même pas où sont les portes. Faut que je m'entraîne. Ok. Excusez-moi, madame. Ah bah tiens. Il y a un crochet, mais juste à côté. Il y a une poignée juste à côté. Pas de survivant à proximité. Il y a l'autre qui est en train d'agoniser, donc tout va bien. L'autre poignée est ici. Vu. Bonjour. Merde. Dangereux, je m'éloigne. Personne. La personne. Merci, madame. Personne ici. Personne ici. Je vois pas d'autres poignées. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Normalement, il n'y en a pas d'autres. Je crois qu'il n'y en a que deux par map. En tout cas, j'espère. Il n'y en a bien que deux sur cette map, donc tout va bien. L'autre, elle est, ça y est. Au moins j'en ai deux, quoi, que j'ai pas l'air trop ridicule. Quoi, je peux ouvrir la porte, t'es sérieux? Non, ils sont pas en train de la libérer. Ah, merci. Et il y a l'autre qui s'est fait piéger comme un débile. Parfait, j'ai mon troisième. Je l'ai. Je prends de l'avance et... Touché. Allez, on l'accroche vite. Vite et bien, on le range. En espérant que ce crochet, il marche encore. Ah, ben parfait, je peux t'accrocher, tiens. T'es rangé. Allez, bonne chance. Ouais, j'ai deux, trois trucs à régler. Donc, ça... Bah parfait, là il y a un piège, donc merci. Toi t'es bien installé, donc tout va bien. Testons la deuxième porte. Sérieux, je suis tombé dans mon piège? Ah d'accord, je savais pas que c'était possible. Comme une glandouille, je suis tombé dans mon piège. Comme une glandouille, j'ai marché dedans. Comme une glandou. Mais il est où le dernier? Je surveille les deux seules portes. Où est le dernier? Où est le dernier casse-couille? Ça faut que je le traque sans rire. Encore back. Attends, on va installer un piège. Je vais essayer. Bonne chance. Quand une entité démoniaque veut te bouffer, bonne chance.
Là, je suis en stress. Là, je suis en stress. Là. Je sais où ils sont. Ouais. Je m'en doutais de ça, je m'en doutais. Bien ché. L'autre est pas loin. Maurice, attends-moi. J'arrive. Bon, par contre, je vais le laisser agoniser au sol, lui, c'est mort. Hein. Toi tu bouges pas. Non, reviens là. Merci. Dissident. Espèce de sale dissident. Voilà. Qu'est-ce que... C'est le timer? Là. Sage. Pas sage, t'es sage. Merci. Bah là il est mort par contre, là instant. Deuxième accrochage c'est instant. Ça, il est où? C'est quelle porte? C'est là-bas. Ouais j'arriverai jamais à temps. Bon 3 sur 4, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, 3 sur 4 c'est honnête. C'est pas évident, mais c'est honnête. Ouais c'est fun, ouais c'est fun. C'est amusant, ouais. Ah ouais c'est fun comme jeu. C'est vicelard au possible mais c'est fun. Ah, moi j'aime bien ce genre de jeu. On peut essayer. Et donc là. Je vais pas continuer comme ça. Enfin, on va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Les archives, c'est quoi? Pas trop bien, c'est quoi ça? Tome de Fine Edit ouvert dans les archives, ok. Je vois trop ce que c'est. Ça débloque un tueur, apparemment. Comment ça marche? Frapper 13 fois un survivant avec votre arme. Faire crier le survivant. Suspendre les 3 survivants. Endommager 5 générateurs. Donc je dois aller shooter des PU. Ok. D'ailleurs, avant de partir en multi, j'aimerais vérifier mon audio, que j'ai pas de push-to-talk activé. Ouais, c'est mieux. Volume principal, volume de menu, casque audio, son désactivé hors jeu. Non, c'est bien que je sache à peu près ce qui m'attend. Tac tac tac, parfait, parfait. Donc, mon tueur, j'aimerais bien voir lequel c'est. Ok, putain, je l'ai pas développé celui-là. J'ai beaucoup de points, donc je vais l'activer. J'active. Je lirai après ok. Je suis avec le piégeur. Ah ouais, non. Non, je veux pas le piégeur. Excusez-moi, mais je veux pas le piégeur. J'aimerais mon spectre. Il fait quoi déjà, le spectre? Votre capacité de pistage développée vous permet de prendre la direction des traces laissées par les survivants en fuite. Les marques des raflures apparaissent légèrement plus proches l'une de l'autre. D'accord. Tel un chien de chasse, vous flairez les traces de sang à grande distance, considérablement plus visible pendant 2 secondes de plus. Vous avez une vue personne dans l'obscurité, ok. Et au niveau 12, on peut faire quoi? Les chances d'être envoyé dans l'usine de conditionnement de viande. Très intéressant. Vous voulez provoquer la résonance, ok. J'active. Pas trop ce que je fais. Mais j'active. Ok, donc on a ça. Oh, c'est fumé ça. C'est vrai que j'avais ça. Vous savez, vous frappez pour faire mal. Les blessures infligées par les attaques de base provoquent un effet de... Ah oui, oui. Donc on touche, on tue quasiment. Vous prenez la voix d'entité de façon rudimentaire. Entendez sporadiquement les murmures d'entité lorsqu'un survivant se trouve dans un rayon de 40 mètres. En accessoire, qu'est-ce qu'on va mettre? La férocité tracée à l'encre blanche sur le corps, les attaques surprises de réapparition inflige aux survivants. Ouais, j'ai envie de dire oui. Attention, si on ne veut plus discerner les distances.
Ouais, intéressant. T'as une preuve tracée sur le corps dans une cloche. Invention, ok. Férocité, les attaques surprises de réapparition infligent aveuglement pendant 60 secondes. C'est fumé, allez hop. Et j'ai envie de prendre ça. Ouais, allez. Allez, guerrier aveugle. Offrande, qu'est-ce que j'ai? Et en offrande, on va y mettre. 25% de points de sang, 75% de points de sang. Ils ont tous cumulables, ok, ok. Très bien. Très bien. La toile, bah tiens, je vais le prendre ça et je vais prendre ça aussi. Merde, je dis que je vais le prendre. Les corbeaux peuvent communiquer directement avec vous. Dans 100% des cas, les corbeaux vous donnent un signal visuel quand vous trouvez dans un rayon de 28 mètres. Mon dieu, c'est fumé. Pardon. Bon, je vais le prendre parce que j'ai du pognon. Parce que j'avais du pognon. Bah, je suis niveau 13. Parfait. Nickel. Juste pour être niveau 13. Parfait, parfait, parfait. J'ai mon spectre. Est-ce que je peux le modifier un tout petit peu? Non, je veux le spectre, merci. Équipement, non, c'est... Ah, personnaliser, c'est ça que j'oublie. Ouais, c'est bien comme ça. Ah, c'est plus sombre, c'est bien. C'est pas mal comme ça. Il va dans la boutique, juste par curiosité. J'ai 670 points. 0 drone, ok, bon, ben... Déjà, ce sera pas un tueur. Non, ça m'en fout. On veut d'être, peut-être. Voyons. Je regarde, c'est vraiment de la curiosité. On peut voir s'il n'y a pas un truc qui, peut-être... Pourquoi pas? Ah oui, putain, il y a un DLC. Il y a des DLC à ce jeu, oula. J'ai loupé peut-être beaucoup d'étapes. Je crois que je ferai des tests, parce que le jeu me plaît. Fragment de faille. Qui c'est ça? Ouais. J'ai... Putain, j'ai débloqué un truc. Il y a des saisons de passe, putain. Oh, j'ai loupé tellement d'étapes dans ce jeu. C'est dingue, mais j'ai loupé une chier d'étapes. Et... Je vais pas m'être prêt tout de suite, je vais me faire un café, je reviens. Mais en fait, le temps que ça se fasse, je peux vous dire que... Je peux vous parler un petit peu. Pour vous dire en fait que ce genre de jeu, en ce moment, je les aborde pas, parce qu'en ce moment, je suis pas vraiment sur les nerfs. Mais je passe très vite en mode flip. En mode psychotique. Et peut-être, oui, déjà, je psychotais énormément pendant le boulot cet été, donc là, ça doit être de pire en pire. Donc, je psychote très très vite. C'est pour ça que je suis parti en mode tueur. Parce que là, sinon, je fais une crise cardiaque avant la fin de la nuit. Donc vaut mieux que j'y aille sobre avec un bon psychopathe, ça va bien. Et encore ça doit sentir que j'ai la petite pointe là, je suis pas bien. Mais c'est mon effet, c'est mon habituel niveau de stress qui devant ce genre de situation s'amplifie légèrement, c'est catastrophique. Mais là il vaut mieux, après, là après ce jeu, je vais me faire une petite partie de Far Cry des familles, je vais me faire... du bien, je vais me détendre, me calmer, ça va me faire du bien. Un livre et je pionce. Je pense que je vais faire ça, je vais pas faire le montage ce soir, parce que là, si je dois faire le montage, je vais encore plus flipper. Hein. Je me connais. Quand je dis que je psychote, c'est que je psychote. Et question psychotique, il n'y a pas mieux. Oh, je suis un tueur niveau 4. Trop bien. Et attendez, j'ai quoi comme tueur? On va juste par curiosité. Parce que j'ai le piégeur, mais j'ai quoi d'autre comme tueur? J'ai le montagnard. Ah oui, mais bah, il m'irait, techniquement, il m'irait très bien. L'infirmière. Ça crame des fantasmes. La chasseuse. Oh, la chasseuse avec les oreilles de lapin. Voyons, juste la... Donc, la toile. Ok, ça je vais lire après. La tête de la chatte étrangement lestée conçue pour porter un coup... avant de faire ça, je vais personnaliser un petit peu. Merde, c'est où? J'avais pas un truc personnalisé? Pour voir mes tueurs, j'avais pas ça? Non, j'avais pas un truc qui me permettait de voir mes tueurs. J'avais pas fait ça, si. Ah, si. Si, je me disais bien que... Hop. Ah, voilà, c'est ça que je voulais voir. Ok. Ok, c'est ça que je voulais faire, donc ça, voyons voir. J'ai presque envie d'essayer... Bah, pour l'instant, je vais essayer un tueur que je maîtriserai à peu près. Donc ce sera le spectre que je maîtrise.
Enfin, que je maîtrisais. C'est pas gagné, mais prêt. Matchmaking. Ah, le matchmaking du mal. Attention, le mal arrive. Et donc là, avec le matchmaking, ça va rechercher des parties, ça va nous intégrer dans une partie, et on verra au fur et à mesure autour du feu de camp derrière apparaître les survivants. Mais ce jeu est génial. Je sais pas de quand il date, je sais même pas où, à quel prix il est, sur quelle plateforme, mais je crois qu'il est au maximum à 30 balles. Et sur Steam, j'essaie de vous le dire. Ouais, c'est bien l'histoire du son, là, je laisse. Mes jeux, Dead by Daylight, page du magasin, on va voir. En ce 31 octobre 2021. Oui, ma date de naissance est bonne, oui, c'est moins de 18 ans. Toujours pas de survivant. Par contre, oui, ça fonctionne en matchmaking. C'est... Ah bah tiens, Soldat d'Halloween. Je sais pas quand est-ce que ça termine, donc peut-être que quand l'épisode sortira, ça sera parti. Mais juste, le jeu de base est à 9€. Avec le DLC Stranger Things, 14€. L'Ultimate Edition, 50 balles. Et Silent Hill, 27 balles. Je comprends quoi ça. Intéressant. Intéressant tout ça. Et merde, j'ai craqué. Enfin, craqué pas encore parce que je suis en jeu et dans l'idée, ma connexion ne va jamais supporter. Oui, ma connexion est pourrie donc. Mais je crois que je vais craquer. Honnêtement, j'ai envie de craquer. Parce que ça me changera, parce que j'ai qu'un jeu pour l'instant actuellement. Un jeu qui me plaît, les autres, Division 2. Truc, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Mais j'ai envie. Parce qu'il y a des DLC qui sont pas chers. Avec mon petit spectre niveau 13, qui a les yeux bleus. Isabella, les yeux bleus. Bleu les yeux, Isabella. Et oui, je ne couperai pas, hein, bien sûr, le matchmaking. Parce qu'il faut pas déconner. Le principe de base d'un jeu, c'est de tout bien présenter. Oh, il y a Resident Evil. Il y a un DLC Resident Evil à 10 balles. Je veux pas qu'il y ait de vidéo par contre. Avec le banquier. Sérieusement, c'est le banquier. Je sais pas si je peux vous le montrer correctement. Tac tac tac. Ouais. Tant que les survivants arrivent. Voilà. Je vous l'avais dit, il y a le banquier. Il y a le banquier. Resident Evil 3. Oh putain, je suis parti. Tac 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 tac. Hey, concentration. Resident Evil. Bon, c'est bon, pouvoir, parfait, cloche de lamentation, ok. Ah, un joli skin. Je ne vais pas gagner, hein. Je vais être clair, je ne gagnerai pas. C'est clair. Déjà, c'est sûr. Hein. Vu mon niveau, vu la galère que ça a été, ils sont bien meilleurs que moi. Qu'est-ce que c'est? Pièce de monnaie brillante, fait... Ok, c'est parce que je connais pas les maps. De 1, je connais pas les maps. De 2, j'ai perdu mon niveau. J'avais un niveau correct, mais je l'ai perdu. Donc ne vous attendez pas à ce que je gagne. Clairement, ça va foirer. Oh, c'est vrai qu'ils avaient fait à un moment une version sur Minecraft. C'était super fun. Je m'éclatais sur Minecraft à faire ça. Il y avait un serveur qui l'avait fait, mais c'était super bien foutu. Oh, les survivants, mais c'était fun. Moi, je m'éclatais en survivant. Même en tueur, hein. C'était un massacre. Mais j'en ai fait sur la chaîne, je crois. Je crois qu'il y en a dans mes Minecraft en multi ou je sais plus. C'était sur... Oh putain, ça va être trop longtemps. Déjà, le temps que j'arrive, si eux, ils sont déjà connectés, ils ont déjà ouvert les 4 portes. Ils ont pas ouvert une porte, ils ont tout ouvertes. Le temps que j'arrive. La DSL, l'enfer d'Internet, le cauchemar. Du streamer. Oui, je suis en ADSL. Je suis pas en fibre, pas 4G, rien. La 4G, j'ai de temps en temps, par miracle, une barre. Mais que à des endroits aléatoires. Là, si je pose mon téléphone à un endroit bien précis à côté de mon clavier, techniquement, je peux avoir la 4G. Résident ou c'est familial? Oh, le bon scénar de film d'horreur. Parfait. Je suis un détecteur. Et là, j'ai passé en mode concentré. Ne me cherchez pas, je suis fini en concentré. Pourquoi il est orange?
Merde, j'ai perdu. J'ai perdu. Sérieux. Putain, il est où? Okay, faut que je reprenne la main de perso, ça va pas être évident. Oh, je peux fouiller, trop bien. J'ai pas fait exprès. Oh, quel bordel. Putain, pour en suivre un, ça va pas être évident. Les mecs sont bons, les mecs sont bons. J'en ai touché un, c'est déjà bien. Comment il m'a vu? Je suis indétectable. Je me suis perdu. je sais pas où je suis. Ok. Ils sont un chat, il est bien le mec. Ils sont bons. Hein. Ils sont bons. Moi je suis nul. Ah, non, ça va. Faut me rassurer. Rassurez-moi les mecs de temps en temps. C'est bien. C'est gentil de votre part. Bonjour madame. Excusez-moi. Excusez-moi, je vous range. Petit rangement des familles. Où est-ce qu'il y en a un? Merci. Oh ben, mais moi, il s'était passé à côté. Ah, c'est un crochet ça. Oh merde, c'est barré. Je sais jamais. Ils sont encore ordonnés les mecs, ils sont bons. Où ça? C'est vrai que la reprise est très très dure. Je suis où? Je suis où? Je suis perdu, ça y est. Vu. Loupé. Je fais des shoots, je sais pas où je suis. Putain, cette lampe de poche. Touché. Touché. Gagnons du temps.
essayer de jouer un peu plus avec ça. Putain, je l'ai reperdu. Oh, mais ils sont. Ils savent jouer, les mecs. Oh, les mecs, ils savent jouer, mais moi, je suis une brêle. Ah mais là je suis nul, là je suis très mauvais, je vous l'avais dit. Je vais essayer de garder au moins une porte, histoire de ne pas avoir l'air trop con. Allez, tu racontes, allez, 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 allez. Merde, putain, chier. Ouais, j'ai perdu. Cette humiliation qui me met, sans rire. Ouais, il s'est barré. Il a trouvé la trappe. Oui, il a trouvé la trappe. Nul. J'ai été nul. Bon, j'aurais foutu des shoots. Honnêtement, pour moi, c'est bien. Mais je sais pas. Je sais vraiment pas y jouer. Mais c'est pas grave. Pour moi, c'est fun. Et en survivant, ce serait pire. Faut vous dire qu'en survivant, ce serait bien pire. Cochon, je vais être un générateur. Ok. Bon, pour l'instant, on va rester comme ça. On va refaire une. Ouais, on va refaire une. Allez, hop, prêt. Et en plus, c'est vrai que je connais pas cette map. Je sais pas, je l'avais jamais vue celle-là. On va voir. Hein. C'est cool comme jeu. C'est super cool. Ah merde, j'ai perdu ça. C'est une fonction confuse. Ouais. Et l'offrande, je vais mettre. Je sais pas ce que c'est, mais on va le mettre. Et mais attends, mais niveau 15, j'ai un truc donc. Il me faut quoi? Il représente la synergie. Non, cloche avec 200, bande sonore, vidéo de version. Oh oui, je prends. Ça, je prends aussi. Invoque une entité pour un crochet enchevêtré. Tant que tueur suspendait un survivant un crochet enchevêtré pour la première fois pour gagner des points de son bonus. Ok, ça m'intéresse. Pendant le milieu, les traces de sang frais sont plus brillantes qu'habituellement. Ok, je prends. Ah, oh, il y avait un truc derrière. Dommage. Voyons. Oh, ça c'est intéressant. Ça, j'en prends toujours. Petite main, vous gagnez une chance de ruer du fléau. Un pouvoir de tueur jusqu'à son épuisement. Puis sur le bouton de pouvoir, vous lancez une ruée du fléau. Ainsi, vous gagnez une charge supplémentaire de ruée du fléau. Non, ça, je ne saurais pas l'utiliser. Ça, ça m'intéresse. Passer plus vite les palettes, ça m'intéresse copieusement. Ouais, je vais le prendre quand même, on sait jamais. Et je vais y mettre. Vous ferez les traces de sang. Je vais en 30 secondes, ok. Les corbeaux. La communication des corbeaux m'intéresse copieusement. Repérage d'aura.
je mets ça et après on y va. Ah non, c'est pas ça, l'équipement. Vite. Ok. Ah, joli, joli skin. Allez. Mais si je me fous de la merde, je fais pas prêt. Concentration. Oh, j'ai eu un succès. Graine maudite. Oh, intéressant. Et ok. Ouais, moi de toute façon les points de sang, honnêtement j'en ai gagné 666 666, donc tout va bien, ça va. Ça monte un berceau niveau 15 facile, donc ça c'est plutôt cool. Vous voyez, les points de sang ça s'obtient vite, hein, c'est bien. Non, le jeu est fun, et il y a pas besoin de DLC, là j'ai zéro DLC. Je suis classique, 9 balles. Mais le jeu est fun. Moi ça me fait du bien de revenir sur ce genre de jeu de temps en temps. Je voulais pas y revenir, j'hésitais, je tâtonnais, mais finalement, hein, c'est fun. Ah, c'est galère, je suis nul, mais c'est fun. Le tueur pacifiste, je crois que je vais renommer l'épisode comme ça. Le tueur pacifiste d'Halloween. Si je vais me comparer à un personnage tueur en série, d'une série, j'aurais... comment il s'appelle, American Dad, l'alien, Roger, qui joue un tueur en série, mais il a passé son temps à chercher des cadres. Voilà. C'est à peu près le même principe. J'ai que ça en tête. Moi, je cherche d'abord où on accroche. Et s'il y a des gens à tuer, bon. Bon, après, de temps en temps, tu leur colles une ou deux baffes, histoire de dire que c'est moi le patron. Mais sinon... Mais j'avais pas un perso avec un marteau tout à l'heure, si. Je sais plus, joyeux. Oh, il fait bon. Ah non, c'est bon, je vais pas me dévoiler, t'es fou. Faut que je repère un peu les lieux d'abord. Tant que survivant. Oh, il y a une lumière qui s'allume. Oh, il y a un pied qui est passé. Bonjour. Oh, mais quel con. S'il avance tout droit, je finirai par l'attraper. Où est le crochet maintenant? Où est le crochet? Vite, un crochet. Crochet. T'as pas de chance, Maurice. T'as vraiment pas de chance. Et là, je vais pas jouer mon sac. Je vais pas me mettre à côté. Pas vraiment. Je vais m'éloigner un petit peu. Je veux pas vraiment camper, mais je veux repérer. Ouh, ça sent que ça m'attire, ça. Ça sent que ça m'attire. Bonjour, messieurs. Et au fait, toi là. Non, mais excuse-moi, je t'avais pas oublié. Je t'avais pas oublié, pardon. Je suis désolé, mais je t'ai un peu cramé. Pardon. Parfait, et d'un. Il
Le réflexe à la souris qui paye. Tu ne me vois plus, tu ne m'entends plus. J'ai des traces rouges, je suis. Mode full raclure. Merci le corbac. Je traque. Désolé. Je suis un tueur, mais désolé d'abord. Excuse-moi, il y a un crochet juste à côté, je suis vraiment désolé. Pardon. Psychopathe mais poli, on dit pardon. On dit merci, on dit pardon. Ah d'accord. Gentil sur cette partie, sans rire. Le spectre est fumé. Je suis d'accord, le spectre est fumé. Qu'est-ce que... Pourquoi il est... C'est quoi cet affichage chelou? Je reçois mes corbacs. Corbac? Pas corbac. Là, il n'y a personne. Ah putain, ils y étaient. Ils y étaient. J'aurais dû m'en douter. Le spectre est fumé. Je vais le changer. J'en préparerai un autre. C'est ultra vicelard comme gameplay. J'attends qu'il bouge. Je suis là. Bien joué. Bien joué. Désolé, mais là, c'est... Non, reviens. Merci. Crochet pas loin, crochet pas loin. Hop, palop, 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 palop. Et là, je reste une chance, on me barre. Et là, je volontiers. C'est volontaire. Histoire de pas être trop salaud non plus, je joue un perso qui est fumé, qui a ses défauts mais qui est assez fumax, donc je m'approche pas trop. Je lui laisse une chance de libérer son pote. Je vais en profiter tant qu'on est là. Parce qu'il faut pas déconner non plus. Pouf pouf. Touché. Il est où? Oh.
ce trac acharné. Cette galère. L'autre il va se barrer, c'est quasiment sûr. L'autre il s'est barré, donc lui je le traque. Il est où? Je me rapproche. Touché. Merde, il est déjà pris de crochet. Là par contre je veux gagner. Petit visuel, je m'éloigne un peu. Désolé, mais non. Gentil d'avoir essayé de libérer ton pote, mais niette. Excuse-moi, mais non. Au revoir. L'autre, il est parti par là. Non, là, Maurice, il est mort, ton pote. Je suis désolé, mais il est mort, ton pote. Ah non, il est pas mort. Putain. Oh, ce coup de chatte, j'y crois pas. En 3, c'est pas mal. 3 sur 4, c'est pas mal. Bon, il est toujours accroché l'autre là-bas. Mais j'en ai eu 3, ça va. J'en ai eu 3. C'est bon, on s'arrête là. 3 sur 4 pour moi, c'est un succès, les mecs. Ah, je suis super content, j'ai réussi. J'ai réussi. Eh, 23 000 points, putain, quand même. Oh, malveillant. 33 blessures infligées. 5... Oh, je sais pas trop ce que j'ai fait. Eh. Eh. Ah ouais, non, mais j'adore. C'est hyper stressant comme jeu, mais même en tueur, c'est stressant. Sans rire. Donc là, je vais arrêter, l'épisode est déjà beaucoup trop long. Pour ma santé mentale, je vais aller me reposer, je vais me changer la tête, ça me fera du bien. J'en ai besoin. Donc, je vous retrouve pour un prochain épisode. Je vais en faire quelques-uns tout au long du mois de novembre, parce que ce jeu me plaît bien, je vais peut-être même craquer pour un DLC. Je pense que demain, je vais craquer. Et après, je montrerai peut-être un perso, parce que... Ah oui, il y a le montagnard, tronçonneuse et ça. Il y a l'infirmière, le chasseur... La chasseuse a l'air fun. Je crois que c'est elle qui lance des haches. Ça a l'air tellement fun. La silhouette. Attends, je peux... Je l'ai. Vous devenez obsédé par un survivant. Vous obtenez un jeton pour chaque attaque de base portée. Ce qui inflige à votre obsession. Chaque jeton octroie une réduction cumulable de 5% de la récupération des attaques de base réussies. Vous pouvez en rajouter jusqu'à 8 jetons. Frappe des bases, vous pouvez perdre 4 jetons. Donc vous pouvez... Ok, d'accord. Lumière mourante, vous devenez obsédé par un survivant, votre obsession bénéficie de 33% de vitesse d'action pour décrocher et soigner d'autres survivants. Chaque fois que vous accrochez un survivant ou une autre obsession qu'elle est en vie, vous gagnez un jeton. Si l'obsession est en vie, tout autre survivant reçoit la possibilité de réparation de sabotage au sein de 2% de jetons. Ok, d'accord. Ça a l'air difficile à jouer, ça a l'air super dur à jouer. Voyons les tueurs, donc j'ai qui? Ouais, ça a l'air super dur à jouer, je m'en doutais. Après, il y en a qui me plaisent dans les tueurs. Il y a le fameux Ghostface, qui doit être infâme. Le Demogorgon, pardon, de Stranger Things. Loni. Il est où le banquier? Attendez, je cherche le banquier.
Némésis, voilà, le banquier. Le banquier, c'est lui, juste au cas où. Je vous le montre. Celui que j'appelle le banquier, c'est lui. Le Némésis, qui est dans Resident Evil 3, arrive littéralement chez, je crois que c'est Claire Redfield, qui est dans son appart. En mode banquier ou l'huissier qui vient récupérer le loyer, quoi. C'est juste pour le délire, j'avais trouvé ça, je sais pas. Ça m'avait marqué, cette histoire. Non, moi j'aime bien, j'aime beaucoup, vraiment. Je sais qu'il est fumé, mais j'adore le spectre. Après, il faudrait que je vous en montre un autre. Donc, je vais peut-être monter un perso pour un prochain épisode. Mais un qui soit normal à jouer, quoi. Le piégeur est trop simple. Tueuse à distance, capable de lancer des hachettes de chasse sur les survivants blessés et pour les blesser à distance. Ok. Hop. Toile. Ouais, juste voyons les apparences et je préparais la. Je pense que je vais la préparer elle. Oh. 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 Ah, yes. Je viens de voir, il y a un petit sapin de Noël accroché. C'est débile. C'est débile, mais c'est trop bien. Donc, nous avons une tête de hachette étrangement lestée conçue pour porter un coup violent à la cible. Ok, je prends. Un simple bout de textile pour soigner les boursouflures et enlever le pu. Je prends. Je prends. Une éprouvante odeur de porte incroyablement loin. Votre rayon de terreur est augmenté de 22%. 5% de points de sang supplémentaires. Ok, je prends. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je prends. Ok. Bon, les trucs, je vais dire après. Une tête de hachette lestée, donc c'est le même que tout à l'heure. La capacité de furtivité reste immobile pendant 4 secondes pour bénéficier de l'effet d'un statut indétectable jusqu'à ce que vous bougiez ou agissez à nouveau. Ça c'est intéressant, s'il a une carte, un cabane du tueur, hein, les chances de frappe intérieure, ok. Bâtiment, de toute façon je peux prendre les deux j'imagine, je suis encore au niveau 2. Niveau 3, je le prépare. En forme de boucle, peut être attaché à la ceinture pour faciliter le transport d'outils. Avec une hachette supplémentaire, je prends. Votre présence éprouvante épuise et affaiblit votre proie. Tout survivant réparant un générateur souffre des effets de statut aveuglement et épuisement. Je prends. Qu'est-ce que c'est? Oh! Fun. Le skin. Je suis le skin. Confère 100% de points de sang bonus par catégorie sacrifiable. Ouais, bof. Ouais. Une toxine appliquée à la lame. Ouais, je prends. Les survivants subissent l'effet statue à découvert. Votre vitesse. Ok, parfait. Ça, j'ai bien envie de le prendre. Allez. Ah oui, monsieur le prend, donc je la prends. Et on va prendre d'abord en priorité ça. Et ben, je vais prendre ça en même temps. 700 000, c'est bon. En tant que tueur, suspendez un crochet enchevêtré pour la première fois pour gagner des points de sang bonus. Oui, je vais prendre. L'événement offrande, je vais la prendre. Ensuite, on a quoi? On a ça, on a les murmures, l'envoi dans l'entité de façon rudimentaire. Ok. Déjà, l'office. C'est quoi? Sérum de fléau. Une charge de rue du fléau. D'accord, ok, c'est la même chose que pour l'autre. Ça, je prends. Ça, je prends. Et ça, je prends. Mais je peux tout prendre, en fait, je me fais pas chier. Je prends tout pour l'instant, je ferai le tri après. Graine maudite, ouais, je prends, ça me plaît. Lorsque votre proie tente de s'échapper, chaque fois qu'un générateur est réparé, les fenêtres et sauts d'obstacles les sont verrouillés. Oh oui, c'est fumé. Réduit de 10% le temps de recharge entre les lancers de. C'est fumé ça. Ça verrouille les trucs qui peuvent me bloquer. Ouais, je prends. Ouais, pourquoi pas. La capacité de réparage d'aura, les auras des survivants sont révélées 3 secondes de plus, ok. Perso qui est violent, qui balance des hachettes à l'écran depuis tout à l'heure, c'est assez perturbant dans le coin de l'œil. Je prends d'abord ça, et je peux prendre ça. Je capture, je capture. Oh, ça consomme pas beaucoup de points. Une ruée du fléau remplace votre charge de tueur, ok. Votre désir de tuer est si intense que vous perdez momentanément votre connexion à l'entité, ce qui vous rend totalement imprévisible. Octroie l'effet de statut indétectable après l'obtention de soif de sang palier 1. 15% de besoin. Je réfléchis pas, je prends ça. Augmente énormément les chances. Ok, d'accord. D'accord, je regarde les points principaux, les gris, les jaunes, les verts. Là, j'aurai pas tout. J'appelle chaque fois qu'un générateur est réparé. Ouais, donc ça, je vais en reprendre un. Ah, c'est une compétence. Ouais, je vais la mettre au niveau 2.
Ensuite, on a quoi ici? Gants de cuir tanné protège les mains et assure la prise. Niveau 2. Ça, c'est quoi? Ça, on s'en fout. Ça fait quoi? Attention, on va lancer une hachette. En tant que tueur, suspendez un survivant accroché en feutré. Je prends. Ok. Ah, je croyais que je pourrais pas tout prendre, mais bon. Allez, je la teste, hein, comme dit. Ok, je mettais sur pause hein, si vous voulez lire. Ok, donc ça déjà d'office. Des repérages d'aura. Les auras des survivants sont révélés 3 secondes lorsqu'ils entrent dans une cave et que vous trouvez à plus de 32 mètres de l'entrée de cette dernière. Instinct territorial ne peut être activé qu'une fois toutes les 20 secondes. Ok. Ok, la furtivité, intéressant. Quand vous êtes 34, c'est redéveloppé par le fléau. Ok, donc ça je m'en fous. L'ST, ouais, je peux le prendre, mais pour l'instant je vais d'abord me prioriser sur ça et ça. Déjà d'office, je peux prendre ça. Récompense inconnue, toujours. Tête l'ST, bah parfait, j'ai pas besoin de prendre celle-là, puisque je l'ai déjà. Ça. Merde, ah, je suis dégoûté, en tout. Et je peux vraiment pas? Merde. Je suis dégoûté. Tête lestée ou la sérum du verito? Ouais, la tête lestée, c'est bon. Ouais, effectivement, je peux pas prendre des trucs comme ça. D'accord. Ok, donc on a quoi? Sérum de peur. Votre présence éprouvante affaiblit la proie, ça m'intéresse. Fais pas l'entité à l'apparition d'un coffre. Donc je vais déjà prendre ça là-haut, parce que ça m'intéresse vraiment. Ouais, donc ça, on va mettre ça. Et soit ça... Des fois ça passe. Des fois les savoirs ça passe, je comprends pas tout encore. Donc ici on a quoi? Les têtes de hachette, détachées d'une substance fétide, qui inflige faiblesse lorsqu'elle touche. Estropiement, hémorragie, d'accord. Votre une épouvante odeur, rayon de terreur, 24%, 100% de points d'innocence supplémentaire, peut être intéressant. Ensuite on a quoi? On a la charge de l'arrivée du fléau que je n'utilise pas, j'aime pas. Le problème c'est que si je prends ça, je peux pas avoir ça. Mais ça m'intéresse. Ça peut être sympa à jouer. Je vais le faire parce que ça peut être sympa à jouer. Je peux le prendre? Bah oui, ça, la ruée du fléau c'est un truc que j'utilise pas du tout, donc... on a quoi? Indétectable 15 secondes après avoir rechargé, ça c'est très intéressant. On comprend l'entité de façon rudimentaire, entend l'espoir des plans, le mur. D'accord, donc ça permet de mieux repérer les trucs. Enfin, les trucs, les gens. Donc la chute immobilisée, la rue du fléau, ça. Grossièrement sculptée, cette statue de renard mesure pas plus de quelques centimètres. On rappelle que la furtivité et l'ingéniosité. Ouais. D'office. Ouais, bon, on va essayer. J'en ai un de coffre, déjà c'est bien. Donc là on a quoi? Ouais, donc priorité là-dessus. Réduit de 20% le temps de lancer de hachette m'intéresse. Donc d'abord je priorise ça. Ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Donc déjà on prend ça. Diminuer légèrement la distance entre le crochet sacrificiel. Oh! Donc déjà ça c'est sûr. Quant à la vise, on prépare le lancer de hachette, d'accord. Les chances qu'une trappe apparaisse à l'intérieur. Réduit de 20% le temps de préparation du lancer de hachette. Tête lestée. Ouais, j'en ai plein des têtes lestées. Je sais pas combien j'en ai, mais j'en ai beaucoup trop. Je vais monter au moins au niveau 15, hein, comme l'autre. Réduction du temps de recharge. Quoi que j'ai perdu? Ouais, on s'en fout. Vitesse lancée de hachette, c'est intéressant. Et étant donné, on prend ça. Quatrième compétence, parfait. Le cadeau, clairement. Priorité. Ça je m'en fous. Ouais, donc cadeau, ça. Ensuite, il faudrait que je redé... c'est quoi ça? Ah ouais, donc, ok, d'abord ça. Et... couronne de pie. Ouais, pourquoi pas. Ouais, ça. Bon, ça c'est pas grave. Ça c'est trop important. La capacité de furtivité est vraiment importante.
ça je m'en fous. Graines maudites, j'en ai plusieurs donc non. Un mouchoir propre coloré, un fleur, souvenir d'une petite perdue augmente la rage de concentration du chasseur. Ah. Ok. Le temps de recharge du lancer de hachette m'intéresse. Oh, c'est fumé. Pourquoi pas, hein, tant qu'on y est. Niveau 16. Ça ne m'étonnerait pas que je puisse tout prendre. Décrocher un écart pendant 20 secondes, il y a reçu, voiture, ok, d'accord. Ouais, je suis en train de calculer mes points et on testera la chasseuse, je pense, pour le prochain épisode. Je sais pas pourquoi je sens que je vais pouvoir tout prendre. Donc déjà ça. Oh, il y avait un truc là. Merde. Dommage. Il y avait un truc secret que je l'ai pas vu. Ouais, ça je vais descendre vers ça. Ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Ça c'est quoi? Ça je m'en fous. Sérum de fléau, pierre grossière, ouais, donc déjà ça priorité. Putain, je sais pas comment on y accède. J'ai essayé d'y accéder mais. Et pas trouvé. Tant pis. Je vais descendre vers ça. Ah ben, elle a loupé. J'ai quoi au pif alors. 18, voyons voir. Et on verra plus tard. Je pense que c'est pas mal. Putain, j'ai dépensé 300 000 points. J'ai pas vu les points descendre. Ça fait cher, mais on s'arrête là. Donc j'espère que cet épisode avec une partie théorie à la fin du pif vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un commentaire dans ces cas-là. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer d'en faire régulièrement de ce petit jeu parce que j'aime bien, c'est fun hein, comme jeu. Et ben, on se retrouve à la prochaine. Allez-y, c'était Revanzmi.